Beugré Mambé désormais à la tête du gouvernement ivoirien. Pourquoi le choix d'Alassane Ouattara est-il porté sur l'ancien gouverneur du district autonome d'Abidjan? Élément de réponse dans ce 7 minutes avec le politologue Geoffroy Julien Kouaou. Comment la consommation locale peut contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Des solutions dans ce journal avec l'Institut INADES Formation. Les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent en match amical les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le match est prévu mardi 17 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les supporters ne veulent pas se compter l'événement, ils s'arrachent les tickets d'entrée. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Il ne figurait pas dans les pronostics des Ivoiriens, mais Beugré Mambé a été nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire par le président de la République Alassane Ouattara. Depuis cette nomination, plusieurs Ivoiriens ne cessent de se poser les questions. Pourquoi le choix d'Alassane Ouattara est-il porté sur l'ancien gouverneur du district autonome d'Abidjan? À cette interrogation, le politologue Geoffroy Kouaou Julien donne une réponse. Il est un technocrate, sorti de l'école polytechnique de Yamoussoukro. Il est ingénieur des travaux publics. Et vous savez très bien que le président de la République aujourd'hui est porteur de grands travaux. Et il a besoin de techniciens, de technocrates pour mettre en œuvre toute sa politique de grands travaux. Et Beugré Mambé est aussi un cadre important du rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Et enfin, il y a certainement le critère géopolitique. Vous savez que l'exécutif et le Parlement sont occupés par des personnalités du nord de la Côte d'Ivoire et de religion musulmane. Alors, le président de la République voulait faire un équilibre géopolitique en nommant une personnalité importante du sud de la Côte d'Ivoire et de confession chrétienne. Robert Beugré Mambé remplace Patrick Hachi au poste de Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien. Il est né le 1er janvier 1952 à Abiaté, dans la commune de Songon. De 2011 à 2023, il a occupé le poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Beugré Mambé est l'actuel député de la circonscription électorale de Songon et maire de la commune de Songon. L'exercice de gestion de crise maritime dénommé Grand Africa Nemo s'est achevé lundi 16 octobre à la base navale d'Abidjan Lokodro. Le bilan est jugé satisfaisant. La France participe en tant que grand partenaire de l'architecture de Yaoundé, apporte son expérience en organisation de grands exercices navals pour faire monter le niveau de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Durant cette cérémonie de clôture, des certificats de participation ont été délivrés aux marins pour leurs opérations effectuées avec succès. Cet exercice fait partie des exercices auxquels la Marine nationale ivoirienne et les administrations de l'action de l'État en mer sont engagées en vue d'assurer une meilleure sécurité maritime dans notre région, qui regorge de beaucoup de potentialités pour notre économie, mais à la fois qui fait aussi l'objet de menaces de la part de toutes sortes d'intervenants, comme les pirates, les trafiquants de tout genre. Il est donc important que chaque année nous nous entraînions pour être en mesure de faire face à ces assauts contre notre économie. Grand African Nemo est un exercice annuel régional sponsorisé par la marine française avec le soutien des marines européennes et américaines. L'édition 2023 s'est déroulée du 4 au 16 octobre dans le golfe de Guinée. Ce matin, dans ce service traiteur, au menu, c'est du foutou banane à la sauce guaguassou. Ce mets est l'un des plus prisés des Ivoiriens en termes de consommation locale. Nous préparons plus les plats africains aussi. Voilà, pour permettre aux Ivoiriens de se retrouver, parce que nous devons d'abord consommer ivoirien, nous devons consommer local, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce que vous avez pu voir, le foutou, du guaguassou, c'est des mets typiquement africains,
mais typiquement ivoirien. La consommation locale est l'un des axes d'intervention de Inades Formation dans la quête de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. En effet, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée chaque 16 octobre, l'institution entend encore insister sur la diversité alimentaire, la valorisation des vivres de souveraineté, gage d'une souveraineté alimentaire. Pour travailler à valoriser ces produits locaux, hein, qui ne sont pas autres que, comme je dis, autres que le riz, autres là. Mais cela veut dire que c'est ce que nous appelons, nous, à une des formations, des vivres de souveraineté. Donc, il englobe tout ce qui est, tous les produits locaux, hein, voilà, ce que vous savez, que ce soit l'igname, que ce soit le mil, le sorgho, le poulet local, voilà, un certain nombre de ça, vraiment une diversité qui ne bénéficie pas forcément d'un appui en termes de produits de développement, parce que tout est axé sur les cultures, qu'on connaît, le maïs, le riz, tout ça. Donc, il faut aussi travailler à promouvoir ces cultures-là, parce que c'est l'ensemble de tout cela qui peut apporter véritablement la souveraineté alimentaire et où on peut atteindre également l'autosuffisance alimentaire. Pour rappel, une publication d'un livret de mets et breuvages à base de vivres de souveraineté a été faite, répondant ainsi aux déficits constatés en matière de communication sur la diversité de ces mets. Aboubakar, la vingtaine, ne veut pas se faire compter le match amical Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Il se tient dans ce rang pour se procurer un billet d'entrée, l'une des conditions pour suivre le match au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon, c'est un plaisir. C'est la nation, il faut aller supporter. C'est la nation, c'est un plaisir pour tous. Mon pronostic pour ce match, 2-0. Pour la Côte d'Ivoire. Ici, à la Fédération ivoirienne de football, les billets s'arrachent comme de petits pains par les supporters venus en grand nombre. Commerçants, menuisiers, personne ne veut rater ce match des éléphants contre les Bafana Bafana. Je veux me faire plaisir. Comme on a lutté comme Maroc, on vient de se rattraper aujourd'hui. C'est pour cela, aujourd'hui, tu me vois ici. Bon, moi, je pense que la Côte va avoir bien 3-0. Hein. Je sens la joie dans mon cœur, dans mon corps. Ouais, j'ai eu mon ticket, je suis vraiment content que cette match se passe très bien et la victoire de la Côte d'Ivoire. Le score, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Lors du match Côte d'Ivoire-Maroc, des tickets de 2000 ont été revendus à 3000 francs CFA, soit 50% de plus du prix normal. Comme solution, les tickets sont vendus au nombre de 3 maximum par personne. Le match amical Côte d'Ivoire-Afrique du Sud se dispute mardi 17 octobre 2023 à 19h. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cetteinfo.ci.